Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que la nouvelle année a très bien commencé pour vous. Hein. Je vous souhaite une heureuse et belle et surtout la santé pour 2022. Et bien sûr, pour ceux que les fêtes ne sont pas concernées, j'espère que vous avez quand même passé l'année 2022 quand même en vous reposant, en regardant mes vidéos, hein. Désolée, je n'ai pas posté autant que j'aurais dû en poster, mais j'ai eu des petits problèmes de co-o que j'étais. Donc voilà, la fibre, ça va plus vite. Donc, et la campagne, c'est... On n'accorde pas la fibre dans les coins, dans les campagnes, donc en ville, ça va, mais pas dans les campagnes. Donc voilà, donc là, je vais vous faire un petit sujet. C'est sur Sarah Frézou encore, c'est sur le mariage encore, parce que j'en ai eu des discussions, j'en ai eu des réponses à mes questions et tout ça, j'ai même eu une personne qui m'a, on va dire, qui m'a dit que j'étais une fatiguée, que j'étais un nini, un alain, au lieu de demander une pension, je devrais aller travailler un nini, parce que j'ai dit que si... Elle se marierait à la mairie, comme là actuellement, ça y est, elle veut plus le mariage halal, elle veut le mariage en mairie maintenant. Comme ça, s'il veut divorcer, il y aura les avocats. Donc, elle est, ça y est, maintenant, elle n'a ras-le-bol qu'on se fout d'elle. Donc, bah oui, parce que quand il a voulu, bah, il disait oui à ça. Comme il savait qu'il n'y avait aucune responsabilité derrière, rien qui valait. Tu dis, j'ai juste au moins trois fois, je veux divorcer, un truc comme ça, que c'était bon. Donc, alors donc, moi, comme je disais, que si elle se serait mariée à la mairie, elle aurait droit, les mecs qui étaient avec elle auraient pu lui demander une pension. Oui, parce que quand la personne a un certain revenu, qui vit très confortablement, et que la personne se sépare, divorce et que n'a rien, elle est dans le droit de demander, après elle peut être accordée ou refusée, mais elle est dans le droit de demander une pension, que ce soit l'homme ou la femme, elle a le droit de demander une pension. Voilà, j'ai rien dit de mal, j'ai rien dit d'extraordinaire, j'ai rien dit franchement, j'ai juste dit que oui, vous regardez en Amérique, il y en a où les grands richman, Johnny Hallyday, ben, il donnait des pensions à ses femmes, quand il avait même qu'il avait pas d'enfants, c'était juste pour lui donner de l'argent pour qu'elle vive bien. Et une fois que la personne retrouve ses sous, bien sûr, il y en a beaucoup qui, quand c'est des richman qui donnent une pension, c'est clair que s'ils donnent 5000 euros, la meuf, elle n'a pas cherché du boulot, ça c'est sûr et certain. Hein. Donc, il lui donnera une pension. Mais voilà, c'est tout. J'ai rien dit d'extraordinaire, de très méchant, de ouh, rien. Donc, voilà, je voulais un petit coup de gueule encore de ça. Donc là, avant de vous mettre le petit sujet, hein, comme d'habitude, hein, le petit abonnement, si t'es pas abonné, le petit like, le petit commentaire, hein, on ne l'oublie pas. Et bien sûr, la petite cloche de notification, comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, YouTube, quand ils sont décidés, t'envoie une petite notif pour te dire, prépare-toi confortablement, soit dans ton canapé, soit dans ton lit. Et bien sûr, pas de gâteau, parce que si t'aimes pas les miettes, non, donc tu restes sur le canapé si tu veux manger des gâteaux avec un petit chocolat, une petite infusion, un petit café, ce que tu veux, mais tu t'installes confortablement pour regarder mon petit sujet. Voilà, et bien là, je vais vous mettre le sujet de Sarah, qui veut maintenant, elle fait bien comprendre à fréquentation, que si la demande, c'est plus un mariage à elle qu'elle veut, c'est maintenant un mariage à la mairie. Bon les amis, on est en 2022, ça y est, j'espère que vous avez de bonnes résolutions, j'espère que tout va bien se passer dans votre vie, que vous allez vous améliorer. Moi, personnellement, pour les résolutions de 2022, je vais arrêter de me mélanger aux gens, vraiment pour le coup, mais ça c'est une histoire de toute ma vie, quand t'es trop bon, trop con, mais quoi d'autre, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tous mes projets en espérant que 2022 je vais enfin devenir maman. Quoi d'autre? Elle est fatiguante. Le mariage, ça va. Bah, franchement, si elle veut devenir maman, faut qu'elle arrête ça. Parce que si, comme tout le monde, j'ai vu pas mal de choses qui ressort, beaucoup de personnes qui disent qu'elle serait dans ça.
Donc, si elle veut des enfants, ça va. En plus, si comme elle disait dans une vidéo qu'elle avait du mal à en avoir, donc fallait des médicaments, des trucs comme ça, je sais pas trop quoi, des piqûres, je sais pas trop quoi. Bah, là, si elle est toujours consommatrice de ça, même que c'est occasionnellement, ça y est quand même dans son organisme, dans son sang et tout ça. Donc, Dehlel, ça va être direct à la mairie. Pourquoi tu tousses? je vous remets Et le tout va début. bien même. Je vous remets le début. À la mairie. Le mariage, ça va plus être Dehlel, ça va être direct à la mairie. Pourquoi tu tousses? Et tout va bien même. Ah ouais, non, il n'y a plus de disquette, on fait halal. Non, là, tu vas ralasser les avocats si tu veux divorcer, voilà. Je peux plus. Elle a pas tort. Elle se fait avoir à chaque fois. Eh ben, elle va avoir moins de propositions. Et là, au moins, la proposition, le mec, il voudra y aller jusqu'au bout, bah, ça voudra dire qu'au moins, la personne l'aime vraiment. Où ils engagent vraiment. Bon, bah, bon, il y a toujours des exceptions, hein. Vous savez, toujours qu'il y en a qui, pour le fric, iraient se marier, iraient faire n'importe quoi, iraient manger les pieds, il y en a pour juste l'argent, hein. Bon, si elle tombe sur un comme ça aussi, hein. Mais c'est quand même, moi je dis que c'est quand même au-dessus quand même que là, c'est quand même vraiment, vraiment engagement, engagement là. Qu'est-ce que c'est? La mairie La mairie, ouais. et le baladia aussi. Mais le baladeï, c'est quoi? C'est la mairie? Non, de Dubaï. Je peux... C'est tous les pays. Ah, voilà. En espérant que mon mariage dure plus de 2 ans. T'as pas envie de faire télé? Ok, ça va. Alhamdoulilah. Elle lui demandait s'il veut pas te faire de télé. Mais vu le métier qu'il fait. Si qu'a donné ce scoop-là, c'est Best of TV qui a donné le scoop, qu'il serait vendeur de ça. Si c'est bien vrai tout ça, je comprends pourquoi il veut pas, il viendra pas devant la télé. Parce qu'il faut mieux se faire petit quand c'est Quoi ça, dans d'autre? ça. Non, je peux plus. Bref, 2022, je vais vivre ma vie. Je vais plus me prendre la tête. Et vous verrez pas en fréquentation en 2022 non plus. Vous l'avez pas vu en Jamais. 2021, ni en Non. 2022, ni 2023. Bah, on connaît sa tête, si elle dit, mais on connaît sa tête. Parce que si c'est la vraie tête, si c'est vrai, la vraie tête du mec, de Mehdi, je crois, Mehdi, un nom qu'il essaye de se donner, mais son autre nom, c'est Osafa, un truc comme ça, Osana, un truc comme ça. Ouais, Osana, Mehdi. Mehdi qui dit, et ça serait son vrai nom. Bref, allez voir la vidéo de Best of TV. Si vous voulez vraiment voir le visage de fréquentation, allez voir sa vidéo. Si c'est bien lui, si voilà. Allez voir la vidéo de Best of, vous verrez le visage de Monsieur Fréquentation. 2024. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, kiffez votre vie, faites attention, ayez une vie saine. Je sais que je suis pas un exemple, mais pour le Ceux qui ont coup, fait la fête, faites attention à vous en rentrant. exactement, pour tous ceux qui sont rentrés, l'alcool c'est pas de l'eau, faites attention en rentrant, c'est très important. Et quoi d'autre? Voilà. Ça fait tellement bizarre de voir 2022 au-dessus de ta tête. 2022. Nous, on vient de se lever à même pas une heure. Les gens s'est reposé pour le premier jour de la bonne année. Les amis, j'espère que vous avez passé tous une bonne soirée, que tout s'est bien passé, que vous avez profité de vos familles et tout. J'espère que vous venez avec de bonnes résolutions pour cette année-là. Je suis en train de me dire que cette année, elle va aussi vite passer que l'année dernière. Et voilà quoi, c'est trop bizarre. Mais bon. Donc voilà, vous avez vu les nouvelles résolutions pour Sarah, c'est d'être mariée, hein, de le vrai mariage, hein, mariage en mairie, hein, bien sûr, hein, et puis
le petit bébé, mais bien sûr, si elle veut le petit bébé, il faut qu'elle arrête ça. Parce que c'est pas compatible du tout. Donc, voilà. Et puis, vous avez vu Fréquentation, hein. Je sais pas s'il est pas trop d'accord. Bon, on verra bien, comme on dit à chaque fois, je vous dis, affaire à suivre. On verra bien. Moi, je lui souhaite tout le bonheur qu'est du monde, hein, qu'elle soit heureuse. Franchement, c'est pas parce que, comme je vous dis, moi, je les juge en fonction de ce qu'ils font. Ce qu'ils font voir. Et comme je les connais pas, je peux pas les juger en disant oui c'est vraiment si nanana. Non, parce que comme je les connais pas, je juge en fonction de ce qu'ils font voir sur les réseaux, ce qui est dit, voilà. Et encore, c'est même pas des jugements, c'est un peu j'essaye d'analyser à peu près ce qu'il dit, les conneries qu'il raconte, parce que là des fois il y en a du lourd qui, ah là là là, des fois ils savent même pas s'ils réfléchissent avant de parler, ces gens là Donc, ben voilà, on verra bien si 2022 est des bonnes résolutions pour Madame Frézou, hein, j'espère pour elle qu'elle aura le bon, et puis qu'elle finira enfin par avoir le bon mariage à la mairie, hein, pas le mariage à l'aile. Et puis, bien sûr, j'espère pour elle qu'elle aura un bébé aussi, mais qu'elle arrête tout ça avant pour pas que son bébé ait des complications, comme c'est souvent le cas. Donc, eh ben moi, je ne vais pas en dire plus, hein, voilà. J'espère que vous aussi, vous avez des bonnes résolutions pour 2022, hein. Ben moi, mes bonnes résolutions, c'est d'essayer de faire grandir ma chaîne, essayer de vous divertir le plus possible, essayer d'améliorer tout ce qu'il y a autour de jour en jour, pour vous faire plaisir, essayer d'aller plus profond dans les sujets, vivement qu'on puisse débattre ensemble sur des sujets très très importants et tout ça. Donc ben voilà, j'ai pas d'autres choses à rajouter. On verra par la suite si Sarah elle baignera toujours dans le bonheur et qu'elle arrivera enfin à être heureuse dans le mariage qu'elle veut et sa famille et tout ça. Voilà. Et ben tiens, voilà bébé. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser, hein. Si vous êtes encore là, c'est cool parce que ça veut dire que vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout, c'est super cool. Et ben si toi t'es toujours là mais que t'es toujours pas abonné, que ça fait plusieurs fois que tu passes sur ma chaîne, eh bien abonne-toi parce que ça veut dire que les sujets t'intéressent un minimum. Et puis bien sûr un petit like, hein. Merci à tous ceux qui like en ce moment. Merci beaucoup. Et voilà, il a glissé. Bah oui, il est tellement énorme. Donc un petit like pour de tout le monde, c'est super sympa et ça motive. Hein. Un petit commentaire, toujours respectueux. Et puis bien sûr, comme on fait à chaque fois, hein, un petit emoji en fin de vidéo. Comme ça, et ben dès que je mets une vidéo en ligne, et ben vous recevez n'importe quoi. En fin de compte, je me suis trompée. J'ai mon chat qui m'a fait peur. J'ai bafouillé, quoi. Mettez un petit emoji comme ça en fin de vidéo. Comme ça, je sais que qui me suit vraiment. Si vous avez regardé ma vidéo en entier ou pas. Comme ça, quand je vois qu'il n'y a pas d'émoji, je dis, bah, personne n'a regardé ma vidéo en entier. Voilà, et bien sûr, voilà, on y arrive. Aussi, je vous cite des petits émojis de tous les nouveaux qui arrivent. Ma petite émoji femme ou homme, comme ça, je sais si c'est un homme ou une femme. Moi, j'ai vu que j'ai beaucoup de femmes. Eh bien, enchantée, mesdames. Contente que vous me suiviez et que au moins ce que je fais vous intéresse et ce que je vous raconte vous intéresse aussi. Que je suis... tombe là des fois un peu dans le mille dans mes propos, j'espère. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, hein, à l'activer, comme ça, dès que moi je mets une vidéo en ligne, voilà, on y arrive, dès que je mets une petite vidéo en ligne, vous recevez une petite notif, bien sûr, quand YouTube est décidé, hein, qui vous dit comme ça, allez, préparez-vous, mettez-vous confortablement, parce qu'il y a Sawyer qui vient de mettre une nouvelle vidéo en ligne. Alors, préparez votre petit chocolat, votre petite infusion, ou votre petit café, bien sûr, le café pour le soir, parce qu'il y en a qui ne supportent pas. Alors, chocolat pour le soir, bien sûr. Et bien sûr, des petits gâteaux si vous voulez. Mais installez-vous confortablement et mettez sur lecture. Comme ça, vous regardez le petit sujet que j'ai fait pour vous. Voilà. Et ben moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous fais encore d'énormes merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Toujours, il y en a beaucoup de commentaires encourageants, franchement, et de soutien. Merci encore. Bisous.